Bonsoir à tous et rebonsoir. Merci beaucoup d'être venus et rester aussi nombreux pour cette première rencontre citoyenne organisée donc au Sénat pour cette projection débat autour du film Quai d'Orsay, l'occasion pour vous, lycéens, étudiants, de découvrir ou d'en apprendre plus sur le fonctionnement de l'État. On va aussi parler du travail du Parlement, puis on va aussi parler, bien sûr, de la fabrique du discours politique, du langage, hein, pour reprendre l'intitulé de la fonction du jeune Arthur Vlaminck. Alors, la rencontre va durer environ une heure. Elle va prendre la forme d'une discussion que je vais lancer, introduire, et puis, bien sûr, surtout d'un échange pour prendre vos questions. Alors, je vous le rappelle, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir pour parler de tout cela le réalisateur Bertrand Tavernier. Bonsoir, on ne présente plus votre carrière, hein, qui est ponctuée de films majeurs, du Juge et l'Assassin à Capitaine Conan à L627, et vous avez réalisé Quai d'Orsay en 2013. Avec vous, eh bien, Antonin Baudry, diplomate, on l'a dit, sénateur de la bande dessinée Quai d'Orsay et co-scénariste du film, également par ailleurs réalisateur. Vous vous êtes inspiré de votre expérience au ministère des Affaires étrangères, où vous avez notamment été conseiller de Dominique de Villepin alors qu'il était ministre. Également avec nous, Hélène Conway-Mouret. Bonjour, vous êtes, on le sait, à l'initiative de ces rencontres. Vous êtes vice-présidente du Sénat et vous avez été vous-même ministre chargée des Français de l'étranger entre 2012 et 2014, donc sous François Hollande. Et vous avez donc travaillé au Quai d'Orsay. Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Dallier, sénateur de Seine-Saint-Denis, vice-président du Sénat chargé des affaires internationales, et Rémi Féraud, sénateur socialiste de Paris. Je vais me contenter de lancer un petit peu la conversation. Et Hélène Conway, peut-être d'abord vous faire réagir, ce n'est pas la première fois que vous voyez ce film, mais vous l'avez dit, il y a des choses que vous avez reconnues de votre expérience dans ce film, un film qui est à la fois plein d'humour, très cocasse, hein, vous avez beaucoup ri dans la salle, des moments même loufoques, mais c'est aussi un film qui est très documenté. Oui, c'est du vécu. Alors, bien sûr, avec un personnage ministériel qui a un caractère assez particulier, flamboyant, qui était, mais là, peut-être que vous pourrez en parler mieux que moi, parce que je n'ai pas travaillé avec lui. Moi, mon ministre d'État était Laurent Fabius. Mais ce que ce film montre, c'est en fait la réalité du travail d'un cabinet, où il faut qu'il y ait, bien sûr, un travail d'équipe constant. Nous travaillons sous la pression. Et c'est vrai que les affaires étrangères sont un ministère un petit peu particulier parce que, eh bien, il est ouvert au monde entier et du monde entier arrivent les nouvelles constamment. Et eh bien, il faut en effet traiter. Donc on est finalement dans une situation où on gère des crises, voilà, les unes après les autres. Et physiquement, c'est très demandant, c'est vrai. Bon, il m'est arrivé, et j'ai reconnu certains moments, d'atterrir le matin à Roissy à 6 heures, et puis d'aller chez moi, me doucher, aller au Conseil des ministres et repartir l'après-midi dans un autre coin du monde parce que c'était nécessaire, parce que l'actualité le demandait. Et ce film, finalement, nous fait rentrer à la fois dans ce ministère qui est connu de ceux qui viennent de l'extérieur, mais peu connu des Français. Donc je pense que c'est un film très, très intéressant. Comme ce soir, vous êtes au Sénat. Nous allons répondre à vos questions, parce que l'idée, ce n'est pas que nous prenions la parole, mais de vous écouter et de pouvoir répondre aux questions qui vous intéressent aussi. Voilà, en tout cas, j'ai eu un immense plaisir à revoir ce film et vous dire combien il est réel et finalement m'a replongé 6 ans plus tôt dans une expérience de 2 ans que j'ai vécue avec passion, parce que bon, c'est un honneur de servir son pays, bien sûr, mais c'est aussi incroyablement fort de vivre tout ce qui s'est passé. Et voilà. Oui, Bertrand Tavernier, il y a une dimension effectivement réaliste dans ce film, car vous avez notamment tourné, on l'a vu, hein, on l'a pu le voir, dans les vrais lieux de pouvoir, de l'Assemblée nationale à l'ONU, au ministère des Affaires étrangères. C'était important aussi pour vous, ce caractère crédible et documenté, en même temps que c'est une comédie.
C'était des décors formidables. C'est d'abord qu'ils étaient intéressants. Maintenant, réaliste, les feuilles qui s'envolent, c'est pas... Il y a un certain nombre de choses dans le film qui sont pas... y compris dans la bande dessinée, qui sont une interprétation, qui sont... oui, le mot réaliste, c'est pas ce qui, le premier qui me viendrait à l'esprit, parce qu'il y a quand même... un peu un côté délirant, cocasse, etc. Mais le cadre est juste et le travail est juste. Maintenant, que la manière dont on le rend, et que c'est aussi bien dans la bande dessinée que là, c'est on a peut-être on a cherché à mettre en valeur ce qu'il y avait de plus cocasse, de plus drôle, qui nous faisait rire. Là, mais en même temps, qui jamais ne vient abolir le fait que ces gens-là n'arrêtent pas de bosser, qui sont intelligents, qui sont cultivés, qui connaissent chacun dans sa manière, sauf l'un d'entre eux qui a l'air d'être un glandeur pas mal, là que joue Thierry Frémaux, mais le spécialiste du Moyen-Orient, il est très fort. Qui est maintenant un des plus gros postes au Quai d'Orsay, d'ailleurs, entre parenthèses. Oui, oui. Et il est très costaud. Il sait vraiment, il en sait beaucoup plus que, je pense, des dizaines de journalistes et des dizaines de parlementaires sur ces questions-là. Donc c'est de montrer ça, c'est un côté de vie, de montrer que la comédie peut être aussi avoir une vérité. Que la comédie, c'est pas simplement de la bouffonnerie, mais que ça parle de, je dis, moi, du boulot des gens, du boulot de... et des gens qu'on ne connaît pas, que personne ne connaît. Parce que si vous regardez le film, d'abord, vous voyez que le ministre, il peut être dingo, il peut être délirant dans sa manière, mais il ne change jamais de point de vue, contrairement à des ministres qui lui ont succédé, sur les grands sujets. Il pense toujours qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive, qu'il ne faut pas faire la guerre, qu'il faut faire appel à l'ONU, et que la conduite des Américains est très dangereuse. Et pendant la durée du film... Qu'est-ce qu'il fait? Il va arriver dans un climat de dingue, mais il arrive à faire une sorte de paix temporaire en Afrique, et il va arriver à ce discours qui reste un des hauts faits de la politique extérieure française de ces années-là. Vous n'êtes pas? C'est pas ça? Oui, il y a cet aspect paradoxal tout le temps que... Enfin, moi, j'ai vécu effectivement où les choses sont à la fois peuvent paraître complètement désordonnées, cocasses, etc., et en même temps arriver à un ordre et à quelque chose d'intéressant. Moi, je me souviens par exemple un des trucs qui m'avait le plus surpris. Alors, je suis désolé de le dire ici au Sénat, ça va paraître un peu provocateur, mais un des trucs qui m'avait le plus surpris, c'est quand j'étais arrivé, on m'avait dit bon, le mardi et le mercredi, tu peux pas manger. Moi, j'ai dit ok, parce qu'il y a les questions à l'Assemblée au Sénat. Et alors, les questions à l'Assemblée au Sénat, on sait qu'il y a des parlementaires donc à l'Assemblée au Sénat qui posent des questions aux différents ministres. Et le ministre, il vient et il doit répondre donc aux parlementaires qui posent des questions. Et alors, donc, j'avais dit, OK, très bien. Et alors, on m'a dit, c'est toi qui dois faire les réponses. Je dis, OK. Et donc, j'attendais un peu à recevoir, à ce qu'on me dise. J'étais un peu angoissé le premier mardi et mercredi. Je me disais, c'est quand les questions, elles arrivent quand? Alors, à 11h, je ne les avais toujours pas. À midi, je ne les avais toujours pas. Et puis vers midi et demi et tout, on me dit en fait, il faut que tu écrives la réponse, mais il faut aussi que tu écrives la question. Je dis, mais comment ça? Et en fait, on me dit, le thème, c'est ça. Alors, je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était justement les armes de destruction massive en Irak ou un truc. On m'a dit, le sénateur, il veut poser une question, mais il faut que tu lui écrives la question et la réponse. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc de ce simulacre de démocratie qu'on... Et en même temps, donc c'est un côté complètement délirant. Enfin, quand on découvre ça, on se dit, mais dans quel pays je vis en fait? Et en même temps, la démocratie, elle marche. Et à travers ces imperfections et ces trucs, ça, c'était aussi c'est cet apprentissage-là. C'est que les choses sont pas simples. Voilà, il y a des côtés comiques et délirants. Et puis, il y a en même temps des gens derrière qui croient dans ce qu'ils font. Un mot peut-être des parlementaires, parce que je crois que c'est pas toujours comme ça, quand même, les questions d'actualité. J'ai pas dit que c'est toujours comme ça, mais c'est parfois comme ça. Écoutez, je suis au Sénat depuis 2004, jamais personne, et surtout pas un cabinet ministériel, n'a écrit la question ou les questions que je pouvais poser au gouvernement. Il faut dire aussi que côté gouvernement, lorsque vous êtes un parlementaire de la majorité
D'ailleurs, on le dit dans le film, les ministres aiment parfois qu'on les interroge sur un sujet donné. Et donc là, on passe un coup de téléphone à un parlementaire de la majorité en lui disant « tu serais bien gentil de vouloir ». Et je vais vous le dire, ça m'est arrivé lorsque j'étais du côté de la majorité. Mais pour autant, on n'écrivait pas les questions. Voilà, donc ça, c'est le petit jeu entre les cabinets ministériels et le Parlement. Maintenant, ces séances de questions d'actualité au gouvernement, même si je comprends parfaitement que pour les ministres, c'est d'abord très consommateur en temps et que ça puisse être un peu un casse-tête, elles ont aussi un intérêt, parce que dans nos institutions, dans notre démocratie, les parlementaires qui représentent le peuple, les ministres, c'est l'exécutif, c'est pas tout à fait la même chose, les parlementaires ont le droit d'interpeller les ministres sur n'importe quel sujet deux fois par semaine. Alors c'est très contraignant de l'autre côté, et ça effectivement entraîne parfois les phénomènes que vous avez soulevés, mais c'est un moment important de la vie parlementaire de ce pays. Mais je pense que ça existe dans toutes les grandes démocraties. Je pense que vous avez entièrement... Enfin, je pense que si on supprimait ça, ça serait extrêmement grave. Et c'est pour ça, je veux dire, quand un système... Mais moi, c'est un truc que là, je crois beaucoup. Quand un système est imparfait, ça ne veut pas dire qu'il faut le supprimer. Par exemple, on a tendance à dire tout le temps que l'éducation en France, elle est imparfaite. Ça ne veut pas dire qu'il faille casser le système. Ça veut dire qu'il faut l'améliorer. Le fait que un gouvernement soit responsable devant le Parlement, c'est un très bon système. Il a pu arriver qu'on écrive une ou deux questions. Je ne dis pas que c'est général. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer ça. Et tout le film, enfin, je ne sais pas, je parle sous le contrôle de Bertrand, il est aussi dans l'idée de montrer la complexité des choses. C'est-à-dire que ce n'est pas tout blanc, tout noir. Il n'y a pas un truc qui marche parfaitement. Y a pas, c'est des hommes et des femmes qui occupent les postes décisionnaires à certains moments de la vie du pays, à la fois dans les ministères et dans les parlements et partout. Et bah, c'est de briques et de brocs, un peu comme partout, un peu comme quand on se dispute avec nos voisins, on se réconcilie avec eux. C'est un peu la même chose. Voilà. Je vous ai simplement rajouté que ce n'est pas la norme pour avoir été à la fois sur le banc des ministres et au Parlement. C'est vrai qu'on peut solliciter parfois certaines questions, mais ça ne veut pas dire que on écrive tout. Mais en même temps, quand j'arrivais à l'Assemblée nationale, souvent j'arrivais avec ce qu'on appelle les papillons dans l'estomac parce que je savais que l'opposition allait essayer de me coincer sur un sujet pointu. Et jusqu'à la 5 ou 6 secondes avant, quand la question finalement arrive, on sait que c'est pour soi, le ministre chargé des relations avec le Parlement vous passe la parole et là vous vous levez, vous avez un hémicycle souvent... assez bruyant, vous êtes avec votre micro, vous avez le président de séance qui essaye de rétablir l'ordre, donc vous entendez un brouhaha terrible, ce qui n'est pas d'ailleurs capté à la télévision. Vous avez généralement pris une claque et en deux minutes, eh bien, vous la rendez. En fait, c'est l'exercice qui vous est demandé. Donc non, c'est pas souvent préparé et notamment pas venant de l'opposition. C'est vrai qu'on sent très bien la différence quand on observe les questions d'actualité au gouvernement entre une question de la majorité qui d'ailleurs souvent peut faire sourire, notamment au Sénat où la majorité n'est pas la même, et puis une vraie question de l'opposition. Peut-être juste une réaction, Rémi Féraud, sur peut-être ces questions d'actualité, puis après on va passer à vos questions. La question d'actualité, c'est sûrement ce que les Français connaissent le plus de la vie du Parlement, donc c'est important, mais c'est vrai que souvent, ça peut se caricaturer par la question d'un député de la majorité qui demande « Monsieur le ministre, comment faites-vous pour être si formidable et quel projet formidable avez-vous encore pour la semaine prochaine ?» Oui. Mais en réalité, c'est des exceptions. Et ce qui est le plus intéressant, ce sont les questions qui viennent de l'opposition. C'est vrai qu'au Sénat, la majorité En Marche, qui correspond aujourd'hui au gouvernement, est très restreinte en nombre de sénateurs. Donc la plupart des questions viennent de l'opposition, opposition de droite ou opposition de gauche. Peut-être que ça rend les questions d'actualité aujourd'hui beaucoup plus vivantes que parfois à l'Assemblée. Puis il ne faut pas que ça dure non plus trop longtemps. Comme le disait Hélène Conway, quand on le regarde à la télévision ou sur son écran, on capte le son qui est dans le micro. Ça paraît relativement clair. Quand on est dans l'hémicycle, au Sénat aussi, il faut parfois bien tendre l'oreille pour comprendre ce que le collègue pose comme question, tous ces mots, et ce que le ministre répond. Il y a un côté arène, un côté un peu cirque. En fait, c'est très difficile pour les ministres, même si les parlementaires sont stressés. Et nous-mêmes, quand on pose des questions, surtout au début, on a le trac, on a notre papier qui tremble, le temps est extrêmement contraint. En effet, comme vous le disiez, on reste homme ou femme, donc avec tous les défauts et toutes les faiblesses que nous pouvons avoir.
Bien justement, puisqu'on parle de questions, je vous propose peut-être de poser les vôtres, même si vous avez, si vous tremblez un peu et si vous avez la feuille au bout des mains. Il faut lever la main. La première est toujours compliquée, mais après tout va bien. Oui. Allez, on passe à la seconde. Voilà, bravo. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter et dire votre lycée hein. Bonjour, je m'appelle Sofiane, enfin, je suis étudiant au lycée Montaigne. On vous entend pas. Je m'appelle Sofiane, je suis étudiant au lycée Montaigne. Et justement, j'avais une question à vous poser. Pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, le rôle, le fonctionnement de la... Comment dire j'ai perdu la question. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci, allez-y. Ça arrive. Oui, alors le rôle de la commission des affaires étrangères du Sénat dans l'élaboration de la politique extérieure, extérieure de la France, s'il vous plaît. Ah, ça c'était une question pour Hélène Conway-Mouret. Oui, parce que je suis membre de cette commission. En fait, le fonctionnement de la commission est centré sur à la fois l'audition de personnalités que nous invitons. Alors, c'est une commission Affaires étrangères, Défense et Forces armées. Donc, en fait, nous balayons à la fois toutes les zones de crise et puis la façon dont le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, puisque c'est son nom aujourd'hui, essaye d'y répondre. Nous regardons aussi les conventions internationales et puis nous avons des déplacements sur le terrain. Mais c'est le travail qui est réalisé est essentiellement donc basé sur des auditions et des rapports qui sont donnés et qui sont écrits dans un temps plus ou moins long. Généralement, c'est un trimestre, mais parfois, ça peut être sur 6 mois, où nous avons là un travail de fond avec des déplacements et puis ensuite la présentation du rapport en commission, son adoption, généralement, puisque nous travaillons en binôme. Alors ça, c'est la marque du Sénat, où nous avons à la fois la majorité, un membre de la majorité et un membre de l'opposition qui travaillent ensemble et qui permettent de faire en sorte que, même si nous n'avons pas exactement la même vision du monde et nous abordons un sujet peut-être d'un angle un peu différent, nous nous retrouvons sur un texte qui satisfait l'ensemble de la commission. Voilà, donc nous n'élaborons pas la politique étrangère, mais nous travaillons de façon très très rapprochée avec les ministres que nous auditionnons régulièrement. Le CEMA et puis bien sûr tous ceux qui aujourd'hui sont en charge de la défense de notre territoire et en charge des forces armées. Voilà. Oui. Bertrand Tavernier, oui. Je voudrais dire que ça, je pense que c'est très très important ce qui vient d'être dit. Ça, c'est le rôle des corps constitués. Là-bas. C'est pas le problème des personnages de mon film. Il y a une particularité que j'ai découverte très vite avec Antonin, puis en m'immergeant dans le... C'est que quand, je crois que vous l'aviez, quand on est au ministère des Affaires étrangères et qu'on travaille comme on est soumis à... Déjà, il n'y a plus d'horaire, puisque, par essence, on couvre le monde et que le monde, il y a des fuseaux horaires différents, ce qui fait qu'il y a des événements qui peuvent arriver tout le temps, c'est ce que vous n'avez dans aucun autre ministère. En tous les cas, beaucoup moins dans les autres ministères. Mais vous avez des événements qui se passent en Asie ou en Amérique du Sud, et là, les horaires ne correspondent pas avec les horaires français, ce qui fait que le personnage que joue Neil Sarastroup, c'est quelqu'un qui doit trouver des réponses, souvent, sur un événement très violent qui s'est passé pendant que lui, il doit arriver entre 3 et 4 heures du matin. Voilà, donc les gens doivent trouver des réponses très rapides, même si après, il faudra les affiner par des actions plus longues. Et c'est une pression comme ça, ce dictat du temps qui rend le fait que il y a pas de tranquillité, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de pause, il n'y a pas... Tout peut arriver tout le temps. Et ça donne une pression sur les personnages. Je pense que c'est très important pour comprendre leur vie, leur degré d'adrénaline, et aussi le fait qu'il faut arriver à,
à pallier à des situations de crise comme ça, brusquement. Là, après, une fois qu'on a commencé à y pallier, alors on a le recours aux députés, à la Chambre. C'est ça, non, je ne me trompe pas. Oui, juste un mot, Antonin Baudry. Comment vous diriez que s'articule le travail peut-être entre le cabinet ministériel et cette action du Parlement sur la question des affaires étrangères? Ben, je pense qu'effectivement, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Donc, en fait, c'est lui qui agit. C'est le ministère des Affaires étrangères qui agit, très souvent. Et en revanche, il doit expliquer ce qu'il fait au Parlement. Et puis, je pense aussi que le Parlement joue un rôle très important de travail de long terme et d'arrière-fond. Quand, par exemple, vous avez des relations diplomatiques qui sont rompues avec des pays parce qu'il y a des crises, c'est très important de garder un dialogue avec ces pays-là. Et très souvent, c'est le Parlement qui joue ce rôle-là. Ce sont des sénateurs, des députés qui vont garder une relation avec la Turquie, avec la Syrie, avec des pays dans lesquels on a une crise ponctuelle, avec l'Italie à certains moments, parce que le gouvernement, lui, pour est pris dans des politiques plus conflictuelles, on va dire. Donc il y a une bonne entente en principe entre l'exécutif et le Parlement sur la politique étrangère. Moi, ce qui m'a surpris quand j'étais là-bas, et puis je sais que quand on en parlait avec Bertrand, c'est un autre truc qui t'avait surpris aussi. Enfin, surpris. En tout cas, dont on a beaucoup parlé, c'était que la politique des affaires étrangères en France, elle est relativement bipartisane. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, par exemple. Mais je n'ai pas eu le sentiment qu'il y avait vraiment une politique étrangère de gauche et une politique étrangère de droite en France. J'ai eu l'impression qu'il y avait une continuité, avec des fois des sensibilités qui pouvaient orienter les choses d'une manière un petit peu différente sur certains dossiers, mais qu'il y avait une vraie raison d'État, qu'il y avait une vraie continuité de l'État. Si vous prenez les États-Unis, il y a à chaque fois une rupture. À chaque fois que la majorité change, il y a une rupture dans les politiques étrangères qui est très frappante et qui n'a pas lieu en France. Et à mon avis, d'ailleurs, c'est une des forces de la France. Et je pense que c'est lié aussi à cette action quand même assez coordonnée entre le gouvernement, l'exécutif et le législatif. En France, je pense que ça, c'est un des maillons de la chaîne qui permet d'assurer une certaine continuité. On va prendre une deuxième question. Bonsoir, on m'entend? Oui, okay. Alors, je suis étudiant à Sciences Po, je m'appelle Ralph et je fais partie de l'association de cinéma Close Up. Moi, la question que je voudrais poser, c'est relativement une question artistique à Monsieur Tavernier. Quand on voit le film, on se rend compte de façon assez évidente, avec plein de petits éléments, par exemple, vous avez parlé des feuilles qui volent, mais aussi à certains moments avec des cuts assez rapides, que c'est une adaptation de BD. Et du coup, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi est-ce que... quel choix artistique est-ce que vous avez fait pour passer de la BD au film et quelles difficultés éventuelles vous avez rencontrées? Merci. Merci. Je pourrais vous répondre que c'est la même chose qu'avec un roman. Il ne faut pas somnubiler en disant la BD va être différente de, par exemple, le roman de Dans la brume électrique ou la nouvelle de La princesse de Montpensier, voire même d'un scénario original que je peux écrire. Simplement, la première chose qu'il faut éviter, c'est de décalquer. Donc, il faut essayer de trouver comment est-ce que je peux traduire par des moyens cinématographiques des trucs qui m'amusent beaucoup dans la bande dessinée. Et il y avait... dans ce que dessinait Christophe Blain, des mélanges de gestes, etc., je me dis, ben ça, on peut peut-être l'obtenir avec l'histoire, et puis qui indique quelque chose de fort, genre de quelqu'un que quand il rentre, toutes les feuilles partent. Et surtout, j'ai dit à Thierry Lhermitte, tu t'en aperçois jamais, hein, tu remarques jamais que tu es en train de foutre le bordel, que la secrétaire, ça va être terrible pour qu'elle prenne le rien. Tu t'en fous complètement, hein, tu arrives, toutes les feuilles volent, c'est bon. Et voilà, c'est un moyen, mais ce n'était pas la décalque. C'est de trouver ça, de trouver certaines choses, de trouver tout d'un coup un montage très rapide quand il parle des stabilos où à chaque plan, il change de place. Il est à 20 mètres dans une autre pièce, qui est absolument illogique et contraire à toutes les règles de montage. Mais ça donne un côté comme ça de découpage cinématographique. Là. Et
ce côté très cocasse est renforcé par juste un plan de réaction avec la formidable actrice qui était Marie Bunel sur la secrétaire, qui, au bout d'un moment, en a marre. On sent qu'elle ne peut pas travailler, qu'il l'emmerde. Elle a un moment, elle lève les yeux au ciel, comme ça. Et simplement ce petit truc amène une vérité dans la folie, parce que c'est une réaction extrêmement normale d'une secrétaire qui ne peut pas faire son boulot, qui amène une vérité formidable dans quelque chose qui n'a aucun fondement réaliste et qui paraît juste. Voilà, c'est ce genre de choses que je me posais comme question, mais surtout pas d'essayer de recopier le cadre, de recopier... Ce que j'ai gardé, c'était l'œil de bœuf. Ça, je trouvais que c'était bien parce que ça me situait la pièce de rendez-vous. Quand vous avez l'œil de bœuf en fond de décor, là, que ça. Et puis surtout, j'avais demandé à Christophe Blain et à Antonin, c'est quelle était la place des conseillers quand ils se réunissaient autour de la table. Parce que je pense qu'il devait y avoir des places fixes. Et là, j'ai regardé comment ils étaient placés les uns, où était placé le personnage de Julie Gayet, où était placé Nils Haristrup par rapport à droite, à gauche. Ça, j'ai regardé ce qu'ils buvaient aussi sur la table, ce qu'il y avait comme boisson. Ça, je me suis inspiré de ça. Mais le reste, j'ai essayé de ne pas penser de la même façon que quand j'adapte un roman. Je ne vais pas trouver, je ne vais pas recopier le dialogue ou je vais essayer de m'adapter à une description. Je veux dire, il y a deux phrases au début de La princesse de Montpensier, de la nouvelle de Madame Lafayette. Une guerre civile ravageait la France. Elle écrit ça. Ce qui, dans le vocabulaire de son époque, c'est une phrase énorme de violence. Ça me donne 19 minutes de film, ces phrases. Voilà, je pars de ça. C'est ça. Et alors, sur d'autres choses, il y a des choses qu'on a gardées dans la bande. Puis après, on a ajouté, par exemple, le métier de la copine d'Abel, elle n'en avait pas. Et ça me gênait dans le livre qu'elle n'ait pas de boulot. Moi, je n'arrive pas à imaginer quelqu'un qui ne travaille pas. Donc, j'en ai fait, comme j'adore les instituteurs, j'en ai fait, c'est mes héros, j'en ai fait une institutrice, parce que Anaïs de Moustier, tout de suite, a eu un contact génial avec les gamins. Voilà. Et puis, voilà, des petits trucs comme ça qu'on a ajoutés. Et je crois qu'on a développé des choses, notamment le personnage que joue Didier Besas dans l'avion, on s'en est donné à cœur joie, là. Oui. Là dans la flagornerie du ministre, l'écrivain flagorneur. C'est des choses que j'ai vues tellement autour des présidents de la République, les flagorneurs. Une autre question. Je suis Benjamin Yildiz, un élève de terminale du lycée Montaigne de Paris. Monsieur Baudry, vous parliez tout à l'heure de politique étrangère. Ma question porte sur les groupes d'amitié du Sénat. Ces groupes d'amitié visent en principe à fluidifier des relations entre diplomates, entre parlementaires de différents États. Mais en France, ils connaissent depuis un certain temps certaines critiques à cause d'une... une certaine incapacité à cause d'un manque d'influence. Messieurs les sénateurs, Madame la vice-présidente, que pensez-vous de cette critique des groupes d'amitié ? Pensez-vous que cette influence soit trop faible, au contraire trop forte ? De votre expérience de sénateur, que pouvez-vous nous dire à propos de ces groupes interparlementaires d'amitié ? La réponse de Philippe Dallier, qui, je le précise, est aussi président du groupe d'amitié France-Israël. Et comme vice-président du Sénat, je suis particulièrement l'ensemble des groupes d'amitié. Alors, on entend beaucoup de critiques sur le Parlement et sur le Sénat en particulier, mais alors cette critique-là en particulier, c'est la première fois que je l'entends. Je vais essayer de replacer les choses dans leur contexte et essayer de définir ce qu'est le rôle de ces groupes d'amitié. Dans la Ve République, la politique étrangère de la France, c'est d'abord le président de la République.
Et d'ailleurs, on parle de domaine réservé du président de la République. Ça, ça n'est écrit nulle part dans la Constitution. Mais depuis Charles de Gaulle, qui a fondé la 5e, jusqu'à Emmanuel Macron aujourd'hui, voilà, affaires étrangères, président de la République. Alors après, il y a le ministre des Affaires étrangères. Selon les époques, selon les personnalités, on les entend plus ou moins. C'est vrai que si on fait référence à Dominique de Villepin au moment du déclenchement de la guerre en Irak, ça a été un très grand moment. Mais l'essentiel se joue là. Élysée, Quai d'Orsay. Après, il y a le Parlement. Hélène Conway-Mouret vous a dit un peu comment la Commission travaillait. Les groupes d'amitié, c'est encore autre chose. Et ça a été évoqué. L'idée, c'est de maintenir en permanence, mais c'est aussi ce que fait la Commission, mais les groupes d'amitié également, c'est de maintenir en permanence des liens avec nos homologues dans les autres parlements à l'étranger. Alors, on se rencontre régulièrement, et bien sûr, on évoque tous les sujets qui concernent à la fois la France et le pays en question, mais aussi les affaires régionales ou les affaires mondiales. On essaye de tisser des liens qui peuvent être effectivement utiles quand il y a des crises entre les différents pays. Je vais vous donner un exemple. Quand Poutine a décidé de récupérer la Crimée et de déclencher, je ne vais pas appeler ça une guerre, mais presque, en Ukraine, l'Union européenne a pris des décisions très fermes vis-à-vis de la Russie. Il y a effectivement un embargo qui existe sur un certain nombre de produits. Et puis il y a des personnalités russes, des politiques russes qui sont interdits de séjour en Union européenne. Ils n'ont pas le droit de venir. Ce sont des mesures de rétorsion. Et pourtant, les parlementaires gardent le contact avec ceux-là. Et le meilleur exemple a été donné par le Sénat. La Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat et de la Douma ont rendu en commun un rapport qui faisait le point sur ce qui pouvait nous rapprocher et ce qui pouvait nous éloigner. C'est la première fois que deux parlements, français et étrangers, rendent un rapport en commun. Alors évidemment, ce rapport, il peut rester dans un coin ou caler les armoires, mais il est utile, ce rapport, parce qu'effectivement, il permet de garder ce contact et d'essayer petit à petit de faire évoluer les choses. Voilà ce que font les groupes d'amitié. Ce ne sont pas des groupes de parlementaires qui font du tourisme à l'étranger. C'est vraiment un sujet important. On appelle ça la diplomatie parlementaire. Alors je le dis, je le redis et je relativise. Ça n'est pas au Parlement que tout cela se joue, mais nous avons un rôle et les groupes d'amitié jouent leur rôle comme il se doit, à mon avis. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'entends ce type de critique, mais je la retiens, je la prends positivement, mais j'essaie de vous démontrer que, voilà, il y a un rôle. Une critique pointue qui montre que la question a été travaillée. Hélène Conway-Mouret, vous vouliez intervenir? Simplement une phrase. C'est vrai qu'au Parlement, nous avons une liberté de parole que l'exécutif, en tout cas les ministres, n'ont pas forcément. Et encore plus au Quai d'Orsay, où là, vous avez dans le film un ministre qui impulse une vision et qui demande à ce que le discours soit réécrit. Mais souvent, le discours est écrit par différentes mains, parce qu'il passe dans différents bureaux, pour avoir cet équilibre qui représente bien la position de la France qui puisse être acceptée à la fois par le président de la République, mais globalement. Et donc, c'est vrai que quand on est ministre, généralement, on a quand même un cadre assez formel qui nous est imposé, même si on peut impulser, disons, l'essence de ce que l'on veut exprimer. Alors, Dominique de Villepin, il avait une méthode particulière. C'est que comme il corrigeait tout le temps son discours jusqu'à la dernière seconde, à chaque fois, il envoyait la version à l'Élysée, mais l'Élysée, ils n'en pouvaient plus, en fait. Parce que le fax était saturé de versions, de trucs, donc à un moment, il ne le relisait plus. Et c'est comme ça qu'il faisait exactement les discours qu'il voulait, en fait. Oui, attends, juste, mais Antonin Baudry, puisque vous le disiez, la politique extérieure, c'est le domaine réservé du président de la République. C'est assez étonnant qu'on le voit aussi peu dans le film. Il est quand même très, il n'est pas représenté, à part une fois au téléphone. D'abord, je n'ai pas dit ça. Et ensuite, on le voit dans le film, il me semble. Oui. On voit, oui, son portrait, non? Non, il l'appelle. Oui. Oui, on le voit au téléphone. On l'appelle et va au téléphone. Moi, je ne voulais pas qu'on sorte à l'Élysée, parce que tout d'un... On voit en tout cas que le ministre, son équipe, ne s'occupe d'aucun autre ministère. Ils n'ont aucun contact avec aucun autre ministre. C'est quand même très, très clair. Et on sent qu'il n'y a que... Pour Taillard de Worms, il n'y a qu'une seule personne, c'est le président. Et là, le moment où il a un coup de téléphone avec quelqu'un
du gouvernement français qui est là, c'est le seul moment, c'est avec la personne qui est à l'Élysée. Là. Après, dans la bande dessinée et dans le film, il y a ce parti pris de ne pas montrer le président. Oui. Alors moi, en ce qui me concerne, c'est pour une raison très très simple, c'est que je pense qu'en France, on ne peut pas montrer le président. Oui. Je pense que dans une BD, dans un film, ça ne marche pas, on n'y croit pas. On a une relation peut-être trop maladive à ce que c'est un président de la République, trop, je sais pas, il y a une relation paternelle, un truc, je sais pas. Je pense que dans plein de pays, aux États-Unis, ils arrivent à montrer leur président, en Russie, on peut montrer. En France, ça marche jamais. Moi, j'ai jamais vu un film où je voyais le président français et où je me disais, j'y crois. Ça m'est jamais arrivé. Ouais. Moi, j'y crois quand c'est Gabin dans le président. Oui. Mais sous la quatrième. Mais moi, je souscris à ce que dit, mais moi, je prends une décision de ne pas le montrer parce que je trouve que c'est plus intéressant dramatiquement. Que ça se passe off, que la chose, qu'on ne le voit pas, qu'on n'illustre pas tout ce que fait le personnage, qu'on laisse des espaces comme ça, des espaces vacants. Je trouve que c'était important qu'on ne voit pas le président. Voilà, tout à fait. Mais après, dans le film que j'ai réalisé, là, qui s'appelle Le Chant du Loup, j'avais exactement le même problème. Où effectivement, il y avait une décision qui relevait du président, et j'ai aussi fait un coup de téléphone sans qu'on le voie, parce que pour moi, c'est juste, ça relève de l'impensable, en fait. Juste pour revenir à la question, peut-être votre réponse, Rémi Féraud, sur les groupes d'amitié. Les groupes d'amitié ne font pas de la diplomatie à la place du gouvernement, mais ils sont très utiles, y compris pour qu'un certain nombre de parlementaires connaissent bien les relations avec certains pays du monde, et au total, couvrent l'ensemble de la carte du monde. Ça, c'est utile aussi lorsqu'arrivent des crises pour que le Parlement exerce son contrôle sur le gouvernement. Il faut bien qu'il y ait des parlementaires qui connaissent bien les questions qui sont liées à certaines régions du monde, à certains pays et les relations avec la France. Sinon, ils sont obligés de demander au conseiller du ministre d'écrire la question à leur place parce qu'ils n'y connaissent rien. Et il faut que ce soit le plus rare possible. Moi, je vais vous donner deux exemples au Sénat de groupes auxquels je participe. Je participe au groupe d'amitié France-Yémen et c'est vrai que vous avez peut-être entendu parler de la question du conflit au Yémen, mais aussi des ventes d'armes de la France aux différents belligérants au Yémen et notamment à l'Arabie Saoudite, qui est une question qui fait polémique. Eh bien, dans notre rôle de parlementaire, il est dans notre rôle et on l'a fait à travers le groupe d'amitié, à la fois pour recevoir les humanitaires et ensuite pour pouvoir interpeller le gouvernement sur la question des ventes d'armes françaises aux différents belligérants et aux règles appliquées. Il y a aussi des groupes qui ne sont pas directement des groupes d'amitié avec des pays individuels, mais des groupes qui sont, on appelle de solidarité. Du coup, il n'y a pas le mot amitié. Il y en a un qui est important au Sénat, c'est le groupe d'amitié avec les minorités du Moyen-Orient, les chrétiens d'Orient et les Kurdes. Et lorsqu'arrive, par exemple, l'invasion du nord de la Syrie, région kurde pour l'essentiel, par la Turquie, eh bien, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de sénateurs qui sont très au fait de ce qui se passe et qui peuvent interpeller le ministre des Affaires étrangères. Pareil, lorsqu'il y a des crises graves, comme en ce moment en Irak, ou lorsque les chrétiens d'Orient, dont la France a toujours été un défenseur important, sont menacés. Ce sont aussi des groupes qui permettent aux parlementaires d'exercer leur travail de contrôle du gouvernement et d'interpellation du gouvernement, soit de manière très publique en séance ou par des questions, soit aussi par des contacts parfois plus discrets parce que la diplomatie le nécessite. On va passer à la question suivante. Bonsoir, je suis étudiant à Sciences Po et membre du Parlement des étudiants. J'ai une question par rapport aux relations au sein du ministère des Affaires étrangères, en fait. Vous avez expliqué que le rôle prépondérant du président de la République pour les relations, enfin pour la politique étrangère, mais au sein du ministère, quel est le rôle exactement du directeur de l'administration, du directeur de cabinet, du ministre et notamment aussi du secrétaire général, qui me semble un rôle important. On voit que dans le film, il y a des... Par exemple, en réponse à des crises ou alors par rapport pour l'élaboration de la politique étrangère, on voit qu'ils travaillent ensemble. Mais quel est exactement le rôle de chacun? Est-ce qu'il y a des acteurs qui ont un rôle plus important que les autres? Merci. Bon, moi, je vais vous dire que le directeur de cabinet a un rôle très, très important. Il faut distinguer les politiques de l'administration. Hein, donc, on a un ministre qui choisit son cabinet et... Il y a l'administration qui, elle, est stable avec un secrétaire général qui gère l'ensemble du ministère.
ensemble des directions. Dans le film, c'est un moment qui est fameux, où justement le nouvel arrivant essaye de comprendre comment ça fonctionne. Et là, on commence à lui décrire tout un tas de directions qui travaillent ensemble. Bon, on n'a pas besoin de rentrer dans ce détail, mais c'est vrai qu'il y a une administration avec des gens qui sont des diplomates. Alors, l'intérêt quand même des directions, c'est que les diplomates ont une mobilité qui est imposée. Enfin, ça fait partie de leur métier. Et donc, quand ils rentrent à Paris, généralement pour 3 ans, c'est qu'ils ont été en poste pendant 3 ou 6 ans auparavant dans une région particulière, qui fait que quand ils rentrent, ils apportent toute cette expérience de terrain à cette direction géographique qui, elle, eh bien, prépare les notes, et elles sont nombreuses, pour informer le cabinet. Et donc, le cabinet est une sorte d'entonnoir où, là, les différents conseillers vont décider de ce que le ministre doit avoir, parce qu'il ne peut pas tout lire. C'est généralement la tâche du directeur de cabinet d'ensuite décider ce que le ministre doit recevoir dans son parapheur. C'est pour ça que vous avez des tas de parapheurs sur le bureau du directeur de cabinet, et le ministre, lui, en a un petit peu moins. Généralement, c'est ce qu'on lui demande de signer qui se retrouve devant lui. Voilà, donc c'est vrai que ça paraît complexe, mais il y a la politique qui est en mouvement, et avec... tout à l'heure, quand je parlais de réalisme, c'était au niveau de cette adrénaline et de cette pression constante. Moi, je l'ai vécu, j'ai l'impression d'avoir vécu 2 années sans vraiment dormir, hein, en fait. Hein. Bon, il y avait des problèmes particuliers sans manger. La scène aussi dans les toilettes est pas mal. C'est vrai que vous faites les choses quand vous pouvez, quand vous êtes dans ce ministère. Et dormir, manger, enfin, en font partie. Mais voilà, donc ça, c'est globalement comment cela fonctionne. Une autre question ? Bonjour, je suis étudiante au lycée Montaigne, et dans ce film, en fait, on a pu voir que Dominique de Villepin incarnait l'opposition face à l'unilatéralisme américain, et cependant, aujourd'hui, personne ne semble incarner ce rôle, donc comment pouvez-vous l'expliquer ? Voilà. C'est pas une question simple. Mais c'est vrai que c'était surprenant qu'à l'époque où George W. Bush était président des États-Unis, on avait en France un gouvernement très anti-Bush. Et depuis, Bush n'est plus président aux États-Unis, il n'y a que des présidents bushistes en France. Donc je n'ai pas d'explication, c'est nous tous qui votons pour ces gens-là. Oui, monsieur Dallier. Je me demandais si j'avais bien compris la réponse. Enfin, ceci dit, sur le rôle de l'ONU et sur le multilatéralisme, honnêtement, alors c'est vrai qu'il y a des ministres ou des présidents de la République qui ont incarné cette vision du monde avec plus ou moins de brio et plus ou moins d'ardeur, c'est une certitude. J'ai pas vraiment le sentiment que, au long de la Ve République, cette position de la France ait changé à un quelconque moment. Sur le multilatéralisme ? Alors là, on n'est pas... Sur la position par rapport aux États-Unis, un petit peu quand même, non ? Je parle du multilatéralisme et du rôle de l'ONU. Là, on parlait de l'opposition par rapport aux Américains dans la question. Par rapport aux États-Unis et le fait que Villepin avait représenté vraiment l'opposition... Je vais passer à la deuxième partie de ma réponse. Mais sur les grandes lignes directrices, quand on parlait de continuité dans la politique étrangère de la France, il y a une certaine continuité sur beaucoup de sujets. Ce qui n'est effectivement pas le cas aux États-Unis, parce que, encore moins maintenant avec Trump, où on est incapable de savoir ce qu'il va nous proposer le lendemain, ça peut être tout et le contraire de tout. Maintenant, sur le fait de savoir si certains politiques dans le passé, et on peut comparer avec ce qui se passe en ce moment, oui, certains ont osé dire non aux États-Unis. Et clairement, ça a été le cas de Chirac et de Villepin. Et moi, je me souviens à l'époque, j'étais pas encore parlementaire, mais j'étais dans la politique. Je me souviens parfois de ce que j'entendais en France par certains politiques français dire de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, les pires horreurs, en disant « Oh là là, mais ce sont les États-Unis, il faut surtout pas s'opposer aux États-Unis. Au pire, on se tait et on ne dit rien et on laisse faire ». C'est vrai que ça a été un grand moment de la politique étrangère parce que Chirac et Villepin ont eu le courage de dire aux États-Unis que ce qu'ils étaient en train de faire, préparer l'invasion de l'Irak, ça n'était pas effectivement conforme à la vision du monde qui est celle de la France.
en général, c'est-à-dire effectivement une vision multilatérale et pas des décisions prises par les plus forts, indépendamment de tout le reste et sans se préoccuper des conséquences. Alors après, est-ce qu'il y a des différences entre les uns et les autres ? Oui, il y en a. Mais dans les grandes lignes, je pense que la politique étrangère de la France, elle suit quand même de grandes lignes directrices. Ajouter simplement, je pense que en 2008, il y a eu une décision qui a fait que la France, c'était Nicolas Sarkozy, la France a rejoint l'OTAN. Nous en étions sortis avec le général de Gaulle et à ce moment-là, donc nous sommes revenus dans cette alliance qui fait que, en tout cas sur le plan militaire, en tout cas, nos généraux français font partie de cette alliance, travaillent avec les Américains et donc. S'il y avait un mouvement atlantiste en France, il serait peut-être né à ce moment-là à nouveau, en tout cas pour ce qui concerne la sécurité et la défense de notre pays, qui fait qu'il y a maintenant une France qui est membre de cette organisation internationale, avec le président Macron qui questionne s'il est en mort cérébrale ou pas. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que La France a été pendant longtemps accusée d'anti-américanisme. Je ne pense pas que ça ait jamais été le cas, mais tout simplement, la France résistait, petit pays gaulois, ancien pays, vieux pays, faisait un petit peu figure de rebelle et de non-suivisme. Et en effet, ce moment très fort de ce discours a été un petit peu, l'exemple qu'en effet nous pouvions résister à la puissance américaine qui devait nous entraîner dans une guerre. Ce qu'il faut espérer, c'est que si cela devait se reproduire, que nous ayons le même courage et la même force de le faire encore. La question, c'est est-ce qu'on pourrait encore le faire aujourd'hui, selon vous ? Est-ce qu'on le ferait ? Oui, Rémi Féraud. On pourrait le faire. D'abord, il faut remarquer quand même par rapport à l'époque dont parle le film que la France n'a pas participé au conflit en Irak qu'elle jugeait avec raison tout à fait illégitime, mais que le conflit il a lieu quand même. Et que, oui. La France a obtenu, notamment dans le tiers-monde, en Afrique et partout, une position qu'elle n'a jamais retrouvée par la suite. Ah, en termes de crédibilité. De crédibilité, oui. de prestige, on a retrouvé le prestige qu'on avait au moment du général de Gaulle. Et la décision de Villepin de Chirac, elle n'était pas facile parce qu'il y avait dedans des gens qui étaient opposés, qui étaient proches de l'Amérique. Il y avait Sarkozy, déjà, qui voulait qu'on s'engage. Il y avait des gens. Et après, je suis désolé, on s'est aligné sur les Américains dans tous les trucs. Et on capitule devant les Américains dans tous les domaines, de la salle de General Electric, d'Alstom à General Electric, à la taxe GAFA. Dès que les Américains tapent du poing sur la table, on capitule maintenant. Ce que n'aurait jamais fait ni De Gaulle, ni Villepin-Chirac de l'époque. Mais parce qu'on a aussi un président américain qui ne respecte aucun autre pays, en tout cas dans son imprévisibilité. Mais il faut voir aussi une chose que dans les désaccords que nous avons... Il ne nous respecte pas plus quand on s'écrase. Non, mais quand... dans les désaccords qu'il y a pu y avoir entre la France et les États-Unis ces dernières années... Il portait parfois plus sur la volonté des États-Unis de ne pas intervenir, ce qu'on appelle leur isolationnisme. On peut penser, quoi qu'on en pense sur le fond, à la Syrie au moment où François Hollande était président et Obama était président. C'est plutôt les États-Unis qui finalement n'ont pas voulu intervenir militairement, alors que la France était partante. On peut voir avec la politique de la Turquie, on l'a vu en 2019, c'est plutôt Trump qui... certes fait des rodomontades, mais se désengage militairement. Donc il n'y a pas besoin d'une décision de l'ONU pour décider de ne rien faire. Au contraire, dans ce cas-là, on est dans une situation qui est très différente de ce moment particulier de l'histoire où les États-Unis ont absolument voulu mener un conflit, une invasion basée sur un mensonge. Lorsque, après les attentats du World Trade Center, les États-Unis ont voulu aller faire la guerre aux talibans et chercher Ben Laden, là, tous les pays alliés des États-Unis, dont nous faisons partie, savaient que c'était bien là dont provenait l'attentat. Et nous les avons accompagnés, y compris militairement, dans la guerre en Afghanistan. Donc il faut... c'est la France qui a une position juste à ces différents moments-là. Mais les États-Unis ont aussi une puissance qui font qu'ils peuvent se passer de nous. Alors que nous ne pouvons pas forcément nous passer d'eux pour un certain nombre d'interventions. Ils pouvaient déjà se passer de nous à l'époque et ils l'ont fait. Comme vous l'avez souligné, ils ont fait la guerre.
Et la situation aujourd'hui n'est pas si différente. Quand vous voyez la question des GAFA, c'est-à-dire est-ce qu'on taxe ou pas des entreprises qui font des profits en Europe et en France. Alors, est-ce que c'est normal que ces entreprises-là, comme Apple, etc., ne payent aucune taxe alors que nous tous ici en payons et qu'on se couche devant eux, bah, la question se pose, pourquoi ? Et j'ajoute que Rumsfeld et Cheney avaient pris exactement les mêmes mesures de taxes sur les vins, de taxes sur les alcools, et que néanmoins, le gouvernement a tenu bon. Grande différence. Oui, non, à l'époque, moi je me souviens quand même, le truc était quand même très très dur. C'est-à-dire que tous les chefs d'entreprise français étaient très inquiets et venaient défiler dans le bureau de Villepin en disant « vous faites une faute historique majeure ». On est en train de perdre des marchés considérables aux États-Unis, l'économie française va s'effondrer, etc. C'est-à-dire qu'il y avait cette pression-là, la pression qu'on ressent aujourd'hui face aux Américains, on la ressentait déjà à l'époque, c'était la même. Donc en fait, je pense que c'est une question après de décision, de se dire est-ce qu'on veut être un vrai pays ou pas, quoi. C'est plus ça. Oui. Oui. Un dernier mot, puis on passe à d'autres questions. Je vais défendre le gouvernement, ce qui est un peu paradoxal, mais tout de même. Résolution des conflits dans un cadre multilatéral, sur l'aspect commerce, c'est la même chose. C'est l'OMC. On a des règles, et ces règles, elles doivent nous être communes. Chacun devrait les respecter. Les Américains et les grandes entreprises américaines, notamment, effectivement, comme vous le soulignez, ne payent quasiment pas d'impôts en France, et ce qui est ni en Europe, d'ailleurs. Et c'est une aberration. Est-ce que nous, tout seuls, on a la capacité de faire plier les États-Unis ? Je suis désolé, la réponse, c'est non. Peut-être que l'Europe pourra faire plier les États-Unis, et il y a des discussions qui sont en cours. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que Bruno Le Maire a accepté, dans un deal qui s'est réalisé comme cela, de retirer sa taxe. Alors il a dit, écoutez, on ne l'applique pas maintenant, dans l'attente qu'effectivement, il y ait un accord commun entre, et qui se discute entre l'Europe et les États-Unis pour pouvoir taxer les GAFA. C'est ça qui a été fait. Mais il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Si la France croit pouvoir toute seule faire plier un type comme Trump, qui est capable du jour au lendemain de coller des milliards d'euros de taxes aux Chinois, il le fait effectivement, il voulait le faire aux Français, il est capable de tout, n'importe quand, n'importe comment. Ils l'ont fait en 2002. Oui, ils l'ont fait. Enfin, cette taxe, elle était censée rapporter 500 millions d'euros à la France, environ, par an. Les taxes que l'ami Trump s'apprêtait à appliquer aux vins, etc., il y en avait pour 2 milliards d'euros. On va juste faire la différence. Alors c'est vrai que le gouvernement était peut-être un peu plus prudent en appuyant sur les négociations qui sont en cours, plutôt que de nous faire voter une loi pour décider de ne pas l'appliquer derrière. Là-dessus, d'un point de vue du signal envoyé, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas terrible. Il y a des raisons de principe, des fois. Je pense qu'il faut... Un pays souverain, c'est un pays qui a des principes. Oui, mais écoutez, il y a aussi un principe de réalité. Voilà. Donc il faut trouver le bon équilibre. Et c'est au niveau européen qu'on doit pouvoir y arriver, parce que seul, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, vaste débat, le principe versus les réalités. Vous aviez une question à poser. Oui, bonsoir. Je m'appelle Ambre et j'étudie au lycée Marcelin Berthelot à Saint-Maur. Et je me demandais si vous connaissiez donc la réaction de Dominique de Villepin quand il a vu le film. Bah oui, j'ai encore déjeuné avec lui la semaine dernière. Il était mort de rire. Il était mort de rire. Je crois même qu'il avait cette phrase un peu bizarre de dire que c'était en dessous de la réalité. Oui, 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 il l'a répété, oui. Il m'avait fait dire... Il m'a dit, ah, c'est l'atmosphère du cabinet, c'est génial. Le glandeur, c'est tout à fait ça, me dit-il, le personnage, là, le que joue Thierry Frémont. Il me dit, sa secrétaire me dit que c'était tout à fait ça. Il me dit, oui, que j'avais été un peu sobre avec lui, parce que comme j'étais un peu de gauche, donc je l'avais traité de manière un peu sobre. Ce qui... je me demande ce qu'il entend par sobre. Dominique de Villepin est peut-être encore plus théâtral que votre personnage. Non, je sais pas. Non, c'est pas théâtral. C'est peut-être pas théâtral, mais en tout cas, je pense pas que... Je pense que ce qu'on a fait, ça relève de la satire tendre, je pense. Mais pas tant que ça de la caricature. Voilà. Une autre question ? Bonsoir, Nicolas de Sciences Po Paris. Je voudrais poser une question à M. Antonin Baudry. Donc vous avez été plume au sein du Quai d'Orsay
Et ça a déjà été en partie évoqué durant ce film. Mais j'aimerais savoir si vous pouvez simplement revenir sur votre parcours et notamment la manière dont vous avez intégré le Quai d'Orsay. Merci. Bah moi, je l'ai intégré de manière atypique, c'est-à-dire justement en temps de plume du ministre. Ce qui n'est pas la façon de base, puisque la façon de base, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire Sciences Po et l'ENA, etc. Moi, je n'ai pas fait ça. Donc voilà, j'étais recruté pour écrire les discours du ministre en 2002. Et ben voilà, en fait, et puis après, quand Dominique de Villepin est parti au ministère de l'Intérieur, je l'ai suivi, etc. Voilà. Mais c'est plus simple comme vous faites. Hein. Allez-y. Oui, mademoiselle. Bonsoir à tous. Je viens du lycée Hector Berlioz à Vincennes. Ma question s'adresse surtout à vous, monsieur Baudry, mais vous pouvez tous y répondre quand même. Donc finalement, dans le film, Arthur se dévoile comme un personnage qui doit rendre intelligible, compréhensible les réalités d'un monde complexe grâce à l'instrument du langage. Mais donc finalement, est-ce qu'on pourrait rapprocher sa profession à celle du journalisme ? Qu'est-ce qui diffère ? C'est une bonne question, ça. La huitième plaie d'Égypte, les journalistes. Je pense que c'est très différent. Ouais. Ouais. Oui. Je dirais pas du journaliste, je dirais du cinéaste, où on est confronté à le même chaos que peut paraître pour quelqu'un de pas averti un tournage, où les gens courent dans tous les sens, ont l'air de ça, et de où on tourne un film pas dans l'ordre des scènes, pas dans l'ordre de la dramaturgie. Et pourtant, dedans, il va avoir quelque chose qui a un sens. Je crois que c'est plus ça. Le journaliste, non. Le journaliste, c'est quelque chose de plus réducteur. Je crois que ça demande. Le journaliste, malheureusement, tel qu'il est pratiqué le plus souvent en France, est un journaliste qui, quand même, est très souvent et pas très informé. Hein. Vous savez, dans beaucoup de cas. Dans beaucoup de cas. On peut dire... Je suis ravie pour l'hiver. C'est Bob Woodward, l'homme qui a fait sortir le Watergate, qui disait « Le principal ennemi du journaliste, c'est l'information. Ouais. » Voilà, c'est un mot de journaliste. Moi, je pense que le journalisme est fait pour essayer de comprendre le monde et partager cette compréhension avec d'autres par le biais du mot, de l'écrit, ou de l'oral, bien sûr. Mais là, ce qui est demandé, c'est en fait d'exprimer un message et de porter, c'est-à-dire qu'un discours, c'est rassembler une pensée qui porte un message particulier que l'on veut transmettre. Le journaliste n'a pas vocation à transmettre des messages. Enfin, pour certains, peut-être que c'est le cas si c'est un journalisme engagé. C'est un éditorialiste. Ce serait plus près d'un éditorialiste. Oui, de quelqu'un qui fait un éditorialiste, qui donne une politique. Oui. Alors, mais le journaliste lambda, lui, essaye de comprendre d'articuler cette compréhension pour la partager et peut-être stimuler aussi la réflexion chez l'autre. Il y a un aspect quand même très particulier aussi, moi, que j'ai vécu, c'est le fait de s'adresser, quand vous êtes plume d'un ministre des Affaires étrangères, vous adressez à des gens qui sont dans une autre culture, qui sont non seulement dans une autre langue parfois, mais vraiment dans une autre façon de penser. C'est pas seulement qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que vous, c'est aussi qu'ils ont une autre façon de concevoir les choses. Et donc, du coup, moi, ce que je faisais, c'est qu'à à chaque fois, je relisais chaque phrase en me demandant quelles étaient les interprétations possibles. Et je me disais, il faut que je vérifie qu'en fait, elles convergent, toutes les interprétations possibles convergent vers ce que j'essaie de faire passer. Et qu'il n'y a pas un truc qui peut partir dans un coin que je n'ai pas vu et être interprété exactement à l'inverse de ce qui est dit. Ce qui est un exercice qui rend les choses très différentes du journaliste. Que je trouve qu'Antonin, je crois que c'est à toi, là, qui l'a symbolisé dans une des répliques que moi j'adore, je suis tombé, je l'ai trouvé formidable, quand le conseiller Moyen-Orient, que je joue Bruno Raffaelli, dit à un moment, quand il entend un discours, la proposition d'un discours, il dit « c'est comme d'essayer d'expliquer la Torah à une assemblée de copropriétaires ». Je trouve que c'est une phrase géniale, qui symbolise aussi
le boulot de ces gens, c'est justement c'est qu'ils ne doivent pas expliquer la Torah à une assemblée de copropriétaires. Oui, moi je pensais simplement aujourd'hui il y a un problème au niveau des discours présidentiels qui généralement sont conçus pour parler à la population du pays, mais qui aujourd'hui, grâce à la mondialisation, sont repris généralement à l'extérieur, avec une compréhension qui peut être différente, parce que le mot a différents sens suivant la langue ou suivant le contexte, et qui fait que souvent aujourd'hui, on a des problèmes de compréhension, voire d'agacement à l'étranger, et moi je le vois, puisque j'ai la chance d'avoir une circonscription qui est planétaire. Je représente les 3 millions de Français qui vivent à l'étranger, mais vivent hors de l'Hexagone. Et donc je suis bien sûr tout ce qui peut être de réaction à ce que la France dit. Elle le dit généralement par le biais de son président de la République, mais qui lui s'adresse aux Français qui comprennent. Je ne sais pas si on parle d'autonomie stratégique par exemple en France, ça ne crée pas d'émoi. Si on parle d'autonomie stratégique aux États-Unis ou en Angleterre ou dans d'autres pays, là d'un seul coup on a levé de bouclier parce que ils n'en veulent pas, parce que voilà, l'interprétation est différente. Donc c'est vrai que le Quai d'Orsay, lui, est branché et connecté pour que son message soit compris à l'extérieur, mais aujourd'hui, grâce eh bien, à l'information qui est divulguée instantanément partout, il n'y a plus de barrière, chacun le comprend comme il l'entend. Et ce n'est pas toujours le sens qui a été mis dans le message initial. Voilà. Je me permets juste de brièvement répondre, puisque je suis journaliste, et que la question portait quand même là-dessus. Effectivement, je dirais qu'il y a une véritable différence, parce que, en tout cas, le journalisme à la française, dans la plupart des journaux, il y a quand même une certaine neutralité du point de vue dans la plupart des papiers des journalistes, hein, pas des éditorialistes. Il y a une volonté d'expliquer, de simplifier effectivement une réalité complexe. Alors, ce n'est pas la même chose que le travail d'un éditorialiste. Alors, effectivement, vous disiez que ça pouvait se rapprocher, parce que là, davantage, on adresse un message. Mais je dirais que peut-être que la différence, c'est que si un éditorialiste, normalement, dit ce qu'il pense, là, je trouve que la différence, c'est que c'est peut-être ce que vous pensez, mais vous le dites en tant que plume, vous devez penser comme lui penserait. Vous glissez, enfin, essayez presque de penser avant lui ce que lui-même penserait. Et ça, bon, c'est pas du tout dans la fonction d'un journaliste. Absolument. Moi, je voudrais annoncer la venue, vous l'avez annoncé tout à l'heure en début de séance, de notre collègue Catherine Procaccia, et vous dire que c'est assez exceptionnel d'avoir la parité. Nous avons 2 sénateurs, 2 sénatrices, c'est formidable. Vous voyez, le Sénat avance. Il s'en semble comment à 30% de femmes malgré tout au Sénat. Voilà. Devant les lycéens de Vincennes notamment. Voilà. De Saint-Maur, pardon. Vincennes et Saint-Maur. Oui, aussi. Oui, une autre question? Oui, allez-y. Le travail du Sénat aussi. Attendez, il y a un micro, s'il vous plaît. Ça arrive. Qui arrive. Bonjour, je m'appelle Gauvin de Sciences Po Paris. Est-ce que l'atmosphère de coup bas et enfin de coup de pute, entre guillemets, que vous décrivez, enfin qui est dit dans le film, est-ce que c'est véridique vraiment dans le cabinet, enfin, est-ce que tous les conseillers se font la guerre vraiment ou... Oh, oui, mais comme on le dit dans le film, c'est un acte d'amour. Oh. Vous verrez. Non, mais sur la réalité, peut-être, des relations entre les uns et les autres, même de la friture. Enfin, pour le coup, ça reprend un peu l'une des autres questions entre, je ne sais pas, on voit entre le directeur stratégique, le cabinet. Enfin, ça, en fait, un peu plus largement. Est-ce que vous parlez de mon expérience, puisque j'avais donc 10 personnes dans mon cabinet. J'avais 5 diplomates et 5 non-diplomates, parce qu'au Quai d'Orsay, on ne peut pas ne pas avoir de diplomates donc professionnels, mais que j'avais choisi. Là aussi, on dit que voilà, les membres de cabinet sont imposés. Ce n'est pas toujours le cas. Mais peut-être que ça s'est bien passé, parce que dans les premiers mois, en fait, mon bureau était dans la chambre de la reine, qui est à l'étage dans le ministère. Et je suspectais que certains venaient me voir, parce qu'avant d'arriver à mon bureau, il fallait traverser une salle de bain qui était la salle de bain de la reine, puisque c'était en fait les appartements du roi d'un côté, de la reine de l'autre.
Mais mon cabinet, lui, était réuni, puisque nous n'avons pas de bureau dans le centre de crise. Et donc, je ne sais pas, ça fait une sorte de bonding, vous savez, quand vous êtes forcément à travailler autour d'une même table, peut-être qu'ils ont été forcés à s'entendre et à travailler de façon très rapprochée. Non, alors bon, après, je pense que statistiquement, c'est vrai que quand vous avez un groupe d'humains, vous avez toutes les personnalités, tous les caractères, tous les défauts aussi, qui font que bien certains, en effet, peuvent peut-être... Voilà. Moi, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que quand vous êtes. C'est lié au fait d'être les uns sur les autres, 24 heures sur 24, quasiment, pendant des mois et des mois, dans des périodes de crise, etc. On finit toujours par se détester et s'adorer à la fois. C'est dans tous les endroits comme ça. Vous allez dans une salle de rédaction d'un journal, je pense que c'est un peu pareil. Enfin, dans tous les endroits où il y a un effet d'aquarium comme ça, vous avez un mélange de bassesse et de grandeur qui est. Qui est amusant. Voilà. C'est pas propre, je crois pas que ce soit propre à la politique en gros. On va prendre encore peut-être quelques questions, puis vous pouvez aussi parler du travail parlementaire, hein, puisque vous avez quelques sénateurs en face de vous. Ou pas, hein. Posez la question que vous voulez. Bonjour, je m'appelle Hippolyte, je suis au lycée Marcelin Berthelot à Saint-Maur. Et je me demandais, du coup, dans le film que vous avez présenté, le métier semble vraiment pénible, enfin, dans le sens où on n'a pas de vie pour soi, en fait. On est totalement pris par le métier. Et je me demandais comment c'est possible de mélanger la vie de famille à ce métier qui est très prenant, du coup. Merci. Non, moi juste, enfin, effectivement, moi... Un des clichés qui m'énerve le plus, c'est les fonctionnaires qui ne travaillent pas. Parce que moi, j'ai passé 15 ans dans la fonction publique et j'étais entouré de gens qui travaillaient tout le temps. Et effectivement, les endroits où j'étais, c'était des gens qui étaient complètement passionnés par leur travail, des fois au point d'oublier leur vie de famille ou de ne pas pouvoir en avoir. Le directeur de cabinet, là, donc, qui est joué par Nils Harrestrup, c'était quelqu'un que réellement on allait voir à 3h du matin dans son bureau, qui était là et qui était aussi là à 7h du matin et qui passait 3h chez lui pour dormir la nuit. Qui sont des conditions un peu inhumaines. Et c'est vrai qu'il y a souvent des fois, on a l'impression que les choses marchent grâce à trois types comme ça. Et c'est assez vertigineux. Ouais, c'est aussi ces héros de l'ombre que moi je trouve intéressant. Voilà. Vous me permettez d'intervenir. J'ai eu une de mes collaboratrices parlementaires qui a été débauchée et qui est rentrée dans un cabinet ministériel. Et j'ai eu plusieurs assistants parlementaires, pas directement, mais qui ont été dans des cabinets ministériels. Pour répondre directement à votre question, on fait un choix d'une expérience exceptionnelle que tout le monde ne vit pas. Et on sait aussi en même temps que ça ne va pas durer 5 ans, 10 ans. Donc on le fait, ça dure 18 mois, ça dure 2 ans, ça dure 3 ans, et on met à côté sa vie personnelle. J'ai eu aussi un ami qui a été directeur de cabinet d'un Premier ministre, je ne dirai pas lequel, et je me souviens d'un jour où j'ai dîné chez lui avec sa femme et ses enfants, et sa femme m'a dit, un jour mes enfants m'ont demandé si papa était toujours vivant. Oui, Rémi Ferraud. Pour vous donner mon expérience personnelle, pas celle de parlementaire, mais celle quand j'ai été il y a une vingtaine d'années en cabinet ministériel au ministère de la Défense, il y a une chose qui m'avait tout à fait impressionné. J'étais très jeune, j'avais fait Sciences Po peu de temps avant, ça a été une expérience passionnante, en effet c'est très prenant, mais il y a une chose qui m'avait vraiment impressionné, c'est que quelle que soit l'heure, si on arrivait extrêmement tôt le matin ou si on partait extrêmement tard le soir, le directeur de cabinet était toujours dans son bureau et toujours d'humeur égale. Est toujours disponible. Et je pense que, notamment dans les grands ministères régaliens comme le Quai d'Orsay, ça fait partie du job, ça demande aussi une résistance physique, puis on ne fait pas ça toute sa vie, un moment de vie aussi où on passe son temps dans son bureau. Oui, une autre question ? Ah. On va peut-être s'arrêter là. Je terminais sur une anecdote, c'est celle de Roger Carucci, qui me racontait que lorsqu'il était collaborateur de Philippe Séguin,
il fallait toujours arriver avant Philippe Séguin et toujours partir après Philippe Séguin. Et qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable et qu'il fallait aussi attendre parfois tout le dimanche le coup de fil de Philippe Séguin dans son bureau. Voilà, pour vous dire... Moi, j'aurais ajouté une dernière anecdote pour ça, quand même un peu. C'est que quand j'ai tourné au Quai d'Orsay, le personnage que joue Nils Sarrestrup, les gendarmes qui gardaient le Quai d'Orsay m'en parlaient avec des trémolos dans la voix. Il me disait, c'est un type formidable. Alors, plusieurs d'entre eux m'ont dit, on montait le soir à 3 heures du matin pour être sûr qu'il soit toujours vivant, parce qu'il restait là. On venait s'assurer. Alors, il faisait des petits sommes. Mais il était là jusqu'à 4 heures. Il partait dans sa voiture de fonction. Pas de voiture de fonction, pardon. Sa voiture à lui. Il n'avait pas de voiture de fonction. Et il était là le matin. C'est une Twingo. Bon, et il était là le matin, il était là au premier truc. Donc ça, et c'était quelqu'un qui était là comme ça. Pour moi, ce personnage, c'est l'exemple même du serviteur de l'État. J'ai une affection pour ce personnage qui est énorme. C'est quelqu'un qui résout les crises, qui n'est pas là, qui n'est présent dans aucun journal. Il y a une réplique, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas gardée, de la bande dessinée, où il disait, je viens d'une famille de diplomates où on considère que c'est une honte d'être dans un journal, qu'on cite votre nom dans un journal. Mais c'est exact. Les hommes de l'ombre. Et voilà. Mais je pense que l'État est fait de gens comme ça. Et maintenant, ça, je pense que c'est en train de disparaître. Avec des gens qui se vendent au privé, qui utilisent tous les moyens de l'État pour faire leur et qui ensuite partent dans le privé. Je pense qu'il y a une perte des valeurs. Ces gens-là étaient des gens qui avaient des valeurs morales, des valeurs de croyance dans la force de l'État qui sont extraordinaires, extraordinaires. C'est pour moi les vrais héros des temps modernes. Et il y en a beaucoup, justement, de ces fonctionnaires sur lesquels on tape tout le temps, tout le temps. C'est un des trucs les plus exaspérants. J'en ai vu. Je trouve que c'est une des manies de certains hommes politiques et c'est une honte. Parce que c'est des gens qui travaillent. J'en ai vu travailler dans la police, dans le milieu de docteurs, dans les hôpitaux, des gens qui travaillent. Et là, pour moi, ce sont eux qui sont les serviteurs de l'État. Voilà. Allez, un mot de conclusion, Hélène Conway-Mouret. Et quelques applaudissements pour les fonctionnaires et les serviteurs de l'État. Donc, je voulais simplement ajouter, c'est vrai que c'est ce que j'ai pu croiser dans ce beau ministère, c'est un très beau ministère, ont un sens de l'État très fort. Et réfléchissez à avoir le sens de l'État, ce que cela veut dire. Cela veut dire finalement de s'effacer, d'oublier qui l'on est. Et quelque part, je voudrais dire que quand on est parlementaire, on est forcé de mettre en veilleuse aussi sa vie privée, sa vie familiale parfois. Et finalement, tout ce qui est personnel passe après. Parce que le reste est tellement important et on le fait avec tellement de passion. Enfin, là, je parle, je crois, aussi au nom de mes collègues, qu'on s'oublie soi-même. Et que, bon, les petites victoires que l'on peut avoir sont peut-être modestes, mais en même temps, on le fait pour le collectif, avec cet esprit-là, on le fait pour les autres. Et donc, cela veut dire penser aux autres avant de penser à soi-même. Et si un jour, vous avez, parce que vous avez choisi pour certains déjà certaines filières et certaines études, vous avez envie de vous engager, faites-le avec passion, faites-le pleinement. Mais sachez qu'en effet, eh bien, les autres passeront avant vous pendant le temps où vous aurez peut-être la chance d'être nommé à un poste particulier, d'être élu. Mais en tout cas, moi, je le fais avec énormément de plaisir. Je ne pense pas que c'est quelque chose que l'on puisse faire dans le temps et toute sa vie, mais pour le temps limité qui nous est offert, eh bien, de le faire passionnément. Peut-être un mot de la fin de chacun. Bah, un mot de la fin pour vous remercier d'avoir participé à cette première édition. Lorsque Hélène Conway-Mouret nous a parlé de cette idée, c'est vrai qu'elle est quand même assez... elle est très intéressante, cette idée. J'espère que... Donc, vous êtes la première session. Il y en aura d'autres avec d'autres dates qui sont programmées. J'espère qu'on pourra effectivement attirer ici
de nombreux jeunes, parce que ça permet d'entamer le dialogue, d'engager le dialogue, et ça permet aussi, je l'espère, que vous portiez peut-être un autre regard sur les politiques, et je dis les politiques en général. Parce que vous savez, Hélène l'a dit, on s'engage parce que, d'abord, c'est notre passion, on s'engage parce qu'on a une vision de la France et on essaie de la servir, pas tous sur la même longueur d'onde, mais c'est tous dans le même état d'esprit, et parfois, le nombre de critiques qu'on peut reprendre je ne vais pas vous faire le tableau sur les parlementaires, etc., on trouve souvent que c'est profondément injuste. Donc le fait de vous permettre de venir ici au Sénat discuter avec des élus, je pense que c'est une très bonne idée. Et quand en plus vous avez la chance d'avoir des cinéastes ou on va dire un écrivain, parce que je ne sais pas comment, un auteur de BD, on va dire ça comme ça, un scénariste également, co-scénariste, ben c'est une opportunité pour vous et ça nous permet également à nous de passer un excellent moment. Merci à vous comme lycéens et étudiants de vous être prêtés à l'exercice pour cette première et d'avoir répondu nombreux. Je pense que c'est enrichissant pour vous, ça l'est aussi beaucoup pour nous et nous avons besoin comme parlementaires aussi de rencontrer jeunes citoyens ou même futurs citoyens et de renouer des dialogues politiques, y compris sur des sujets qui ne sont pas forcément immédiatement d'actualité, mais aussi importants que celui de la diplomatie française, du fonctionnement d'un grand ministère, d'un cabinet ministériel, démystifier la politique et l'engagement. Et le film le rend très humain. Et donc je pense que c'était bien qu'on se rencontre autour de ce film ce soir. Le mot de la fin pour Catherine Procaccia. Merci. Désolée, puisque j'avais une autre réunion, mais je voulais saluer en particulier les Val-de-Marne et l'initiative, parce que c'est une très belle... Mais oui, mais bon, on est un peu chauvin. Nous, sénateurs, on représente aussi un département, on ne représente pas une circonscription. Et j'étais justement dans le département avec d'autres Val-de-Marne. Mais je pense aussi qu'Hélène a choisi un très bon film. Je vois rarement des films plusieurs fois. Celui-là, je l'ai vu 3 fois. Et toujours avec autant de plaisir. Donc effectivement, quand aujourd'hui ou hier, je me suis dit, je ne sais pas si je vais pouvoir revenir, mais au moins, je n'ai pas besoin d'aller regarder quel est le film et ce dont on parle. Mais c'est vrai que c'est un métier difficile, mais passionnant. Et je reprends ce qu'Hélène a dit. L'important, quand vous travaillerez, c'est d'avoir la passion dans ce que vous faites. Et quand vous avez la passion, ben vous ne voyez plus le temps passer, même si c'est au détriment de la famille. Merci. Et merci beaucoup à Antonin Baudry et à Bertrand Tavernier pour leur présence et d'avoir échangé avec les élèves aujourd'hui. Et merci pour votre présence.